Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser les petits chaussons Préma 30 semaines et le petit bonnet assorti. Donc, vous allez commencer par les petits chaussons et ensuite on fera le bonnet. La longueur du pied, ça fait à peine 6 cm. Voilà, ça fait 6 cm. Largeur, ça fait 3 cm. Voilà. Donc, il va vous falloir des aiguilles numéro 3. Moi, je vais prendre mes jolies aiguilles. Vous allez voir. Voilà. Que j'ai eu en partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch. Je vous remettrai le lien du lot d'aiguilles. Donc, les aiguilles numéro 3. Je vais prendre des aiguilles 3,5 pour rabattre. Une seule suffira. Vous aurez besoin d'un petit arrête-maille. Non, pas d'arrête-maille. Non, non, vous n'aurez pas besoin d'arrête-maille. D'une aiguille pour la couture et un peu de fil. Allez. Donc, dans un premier temps, sur nos aiguilles, hop, nous allons monter 22 mailles. Hop, hop. Et on y va, 22 mailles. Donc après avoir monté nos 22 mailles, on va faire un premier rang de points mousse, donc tout à l'endroit. Rang numéro 2, on commence par une maille à l'endroit, une augmentation, 9 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une augmentation. 2 mailles. 1, 2. Une augmentation. 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, une augmentation, une maille. À la fin du rang numéro 2, on a 26 mailles. Rang numéro 3, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Donc là, j'ai mon jeté d'augmentation, je le tricote torse. Rang numéro 4, on commence avec une maille, une augmentation, 11 mailles, 11, une augmentation, 2 mailles, une augmentation, 11 mailles, 11, une augmentation et on termine par une maille. Donc à la fin de ce quatrième rang, on a 30 mailles. Quatrième, cinquième rang, on tricote tout à l'endroit. Donc maintenant, on va tricoter le rang du rang 6, 7, 8, 9, 10. Et 11, donc 6 rangs de points mousse. On a terminé les augmentations. Là, on tricote 6 rangs de points mousse. Donc maintenant qu'on a fini nos 6 rangs de points mousse, on va glisser les 12 premières mailles. Donc on les glisse de cette façon, hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, on a glissé 12 mailles. Là, on va couper notre fil et on va redémarrer plus loin.
Donc maintenant, on va travailler sur les 6 mailles centrales et on va prendre à chaque fois, on va tricoter la sixième maille et la première des 12 mailles en même temps. Donc je vous explique, ça va être plus simple. Alors, où est mon fil? Donc on va commencer à retricoter. Donc là, on y va. Donc on tricote une, deux, 3, 4, 5. Donc la sixième, donc celle-là, la sixième des mailles centrales, plus là, on en a 12. Ces deux-là, je les tricote ensemble. Voilà. Je tourne et je recommence. Donc je tricote une maille, deux, 3, 4, 5. Et les deux là, on les tricote ensemble. Ah zut. Voilà. Je refais avec vous. On tourne. Je rebascule le fil à l'arrière. Donc on y va. Une maille. Deux mailles. 3. 4. 5 et les deux prochaines, on les tricote ensemble. Donc vous allez continuer comme ça jusqu'à ce qu'il reste 6 mailles en fait ici. Quand vous aurez 6 mailles ici, 6 mailles là, on arrêtera de faire on arrêtera de faire comme ça. Donc là, je reprends avec vous mon dernier la dernière la dernière fois que je fais les deux mailles ensemble. Donc là, j'ai bien 2, 4, 6 mailles ici. 2, 4, 6 mailles ici. Et 2, 4, 6 mailles ici. Donc on a 18 mailles sur nos aiguilles. Donc là, je termine le rang. Tout simplement. Donc après avoir fait ça, on va faire, on va refaire deux rangs de points mousse. Donc maintenant, on va terminer cette partie-là. Donc vous avez deux choix. Soit vous faites comme j'ai fait donc 24 rangs de côte 1-1, ou alors si vous aimez pas les côtes ou que vous maîtrisez pas trop les côtes ou vous n'avez pas du tout envie de faire de côtes, vous pouvez faire 12 rangs de points mousse et puis après on rabat souplement avec notre aiguille 3 et demi. Donc moi je vais faire le deuxième pied, donc je vais faire des côtes. Donc les côtes 1-1, une maille en droit, une maille en vert sur tout le rang et on répète. Moi, donc 24 rangs pour moi, ou sinon c'est 12 rangs de points mousse. Donc une fois qu'on a terminé la hauteur de des côtes ou de votre point mousse, on va rabattre. Donc je prends mes aiguilles 3,5. Pour pouvoir rabattre souplement et après on plie en deux et on fait la couture. Donc voilà, j'ai cousu, rabattu, cousu, rentré les fils et mes petits chaussons sont terminés. Voilà, donc j'espère comme toujours que le tuto vous aura plu. Donc pour réaliser le bonnet, on prend toujours le même fil de la brassière des chaussons et on va monter sur nos aiguilles. Toujours, toujours, ce sont les numéros 3. On voit pas. Bon, ce sont des numéros 3. On va monter 70 mailles.
Donc après avoir monté vos 70 mailles, on va tricoter en côte 1-1 ou en côte 2-2, c'est comme vous voulez. Moi je vais faire des côtes 1-1, je préfère, ça resserre mieux. Donc une maille en droit, une maille en vert, on répète ça sur tout le rang et sur tout le temps. Et on va tricoter comme ça en côte 1-1 ou en côte 2-2 pendant 6 cm. Le petit bonnet aura un revers. Donc on y va pour 6 cm de côte. Donc une fois avoir tricoté les 6 cm de côte 1-1 ou côte 2-2, maintenant on va tricoter en jersey tout simplement. Donc jersey, un rang en droit, un rang. Premier rang tout à l'endroit, deuxième rang tout à l'envers. Voilà, donc on va tricoter en jersey. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je fais des côtes. Oh là là. Donc, je reprends. On va tricoter en jersey jusqu'à avoir une hauteur totale de 12 cm. Donc c'est-à-dire on a déjà 6 cm de côte et on va rajouter 6 cm de jersey. Et après on s'attaque aux diminutions. Une fois les 12 cm de hauteur totale obtenus, on va passer maintenant aux diminutions. Donc pour le premier rang de diminution, vous allez répéter ce que je vous dis, vous allez le répéter sur tout le rang. Donc on va commencer par 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va faire un surjet simple. Donc on glisse une maille, on tricote la maille d'après. La maille qu'on a glissée, on vient la rabattre sur la maille tricotée. Voilà. Donc vous allez faire cette séquence sur tout le rang. Donc là, vous allez repartir 8 mailles, un surjet simple. 8 mailles, un surjet simple. Sur tout le rang. Rang numéro 2, vous ferez tout à l'envers. Rang numéro 3, on tricote 7 mailles. Alors, une. 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles, un surjet simple. On glisse, on tricote, on rabat la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Et ça, vous faites ça jusqu'à la fin du rang. Rang numéro 4 et tous les rangs pairs, vous tricoterez les rangs en vert. Rang numéro 5. Donc maintenant on descend à chaque fois d'une maille en début de rang. Donc on va tricoter 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, un surjet. Je glisse, je tricote, je rabats. Donc ça, 6 mailles, un surjet sur tout le rang. Rang numéro 7. Donc on commence par 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. Un surjet simple. Et on répète sur tout le rang. 5 mailles, un surjet simple. Rang numéro 9. On va tricoter 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Un surjet simple. Et on répète. 4 mailles en droit, un surjet simple. Rang numéro 11. On est parti avec 3 mailles à l'endroit. 1, 2,
3 suivi d'un sur G simple. Rang numéro 13, 2 mailles en droit, 1 sur G simple. Et on répète jusqu'à la fin du rang. Rang numéro 15, 1 maille, 1 sur G simple. Donc on tricote la première maille et après 1 sur G simple. Voilà, ça on fait jusqu'au bout du rang. Rang 17 et dernier rang de diminution, on va tricoter toutes les mailles deux par deux. Après on coupera, on laissera un peu de longueur pour avant de couper le fil pour pouvoir faire la couture, passer dans toutes les mailles restantes et faire la couture du côté. Donc on y va deux par deux. Et les deux dernières. Voilà. Donc je prends mon fil, je prends un peu long. Je prends mon aiguille à laine et je viens passer dans mes mailles. Je viens débarrasser mon aiguille. Voilà. Maintenant, je plie le bonnet. Hop. Donc, on va plier le bonnet comme ceci. Et on va faire la couture comme ça. Donc, voilà, j'ai terminé le petit bonnet. Je vous donne sa dimension. Donc approximativement on est sur du 11,5 et la hauteur sur du 13 à peu près. Voilà, donc le tuto du bonnet est terminé. Comme ça vous pouvez faire le petit ensemble avec les petits chaussons que vous aurez eu en premier dans la vidéo. Et voilà, le tout accompagné de la petite brassière que je vous avais fait précédemment. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao !